La secrétaire générale du parti Action pour la Reconstruction et le Travail, ART, Madame Guédaoui Thiav, est arrivée dans la province du Sud-Kivu ce dimanche 11 juin 2023 avec une grande délégation venant de Kinshasa. Benjamin Kasongo, secrétaire exécutif provincial du parti CHER, au sénateur Michel Kanyimbu, était déjà au port et aussi pour l'accueil. Ensuite, la délégation s'est dirigée au bureau provincial du parti ART pour un petit mot de circonstance, mais aussi pour la découverte du lieu. La population du Sud Kivu est en droit d'attendre de nous, d'abord de lui garantir la paix, de lui créer des conditions pour qu'il puisse travailler, de créer et de rendre réalité la justice, une vraie justice. Tous qui étaient présents à ce rendez-vous ont manifesté leur attachement total à l'ART et ils veulent voir un Congo différent. Et nous serons, nous Congolais, un peuple solidaire, c'est-à-dire la redistribution des richesses. Les richesses du Congo doivent profiter à chaque fille, à chaque fils de la RDC. Nous devons remercier ces gens qui sont venus nous voir. Ça prouve en cette présence que l'ART vit à Bukavu et va encore vivre avec le temps. L'Action pour la Reconstruction et le Travail, ART, vise la dignité, justice et travail. Les richesses du Congo doivent profiter à chaque fille, à chaque fils de la RDC. Qu'il soit malade, valide ou qu'il soit intellectuel ou professeur, ça doit profiter à tout le monde. Et ça, c'est ce qu'on aimerait apporter au Sud Kivu. Ce parti politique sert au sénateur Michel Kanyimbu, vise être au centre des élections prochainement. L'espoir ne doit pas s'éteindre. On va conjuguer nos efforts. On va avoir une stratégie électorale commune et adaptée aux différents coins. Parce qu'il faut qu'on ait des élus dans tous les districts à chaque niveau d'élection. Il faut que sur la table, il y ait des élus de ART. Parce que l'élection, il n'est qu'à ça match, il y a boxe. Il y a des gens qui ont été amis, ni pas gaulé atawina njo atabakia muri na batamu nyangula mkono yake.